Donne lieu à des échanges fréquents et des échanges qui sont parfois adaptés à la situation. Oui, mais encore. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Nous sommes bien et bien mis cette suite logistique. Est-ce que vous voulez également vous rappeler de ce qu'avait dit Monsieur le Président ce matin au cours de son voyage en Franche-Comté? Je vais vous rappeler, c'est que le président avait dit que la France tenait absolument à manifester d'une manière loyale et active son amitié pour les pays auxquels elle est liée, parce qu'appartenant à cette région méditerranéenne, qui est un lien de parenté entre nous, là n'est pas la situation, n'est-ce pas? La suite, c'est un peu mon commentaire personnel. Monsieur l'ambassadeur, votre premier ministre va être dans quelques minutes l'invité de France Inter. Est-ce que je peux vous demander, c'est pas très diplomatique, si vous avez, après cet entretien, quelque chose à dire à votre premier ministre? Je crois qu'il aura tout dit, non pas par respect seulement pour le premier ministre, mais parce que quand on a une circonstance aussi utile de s'adresser à l'opinion publique française, eh bien il faut l'éclairer d'une manière complète sur ce qui se passe en Tunisie, et je crois qu'il le fera avec précision et talent. Monsieur l'ambassadeur, est-il porteur d'un message particulier ou bien le président? Bien, vous avez vu le président. J'ai fait un exposé détaillé au président de la République française des questions qui intéressent la Tunisie et des problèmes actuels possibles.